J'ai envoyé une invitation à tous les apôtres, mais personne m'a répondu. J'ai l'impression que tout le monde s'en fiche, c'est mon anniversaire. Bon, elles feront pas comme ça, Jésus. Peut-être qu'ils avaient des trucs beaucoup plus importants à faire, comme une partie de bowling ou une partie de pétanque, je sais pas. Mais toi, t'es là. T'es un frère, Judas. Je sais. Jésus ? Oui ? Je suis ton plus grand fan. Je te suis sur Twitter, je te suis depuis le début. J'ai vu toutes tes vidéos, j'ai même acheté ton nouveau livre. Ah ouais ? On peut prendre une photo ? Bien sûr, mon frère. Ah, ça gère. Merci. T'en venais avec Judas aussi ? Non, non, c'est bon. Merci. Attends, Judas, Judas ! T'es mon préféré. Allez. Non, mais. Enfin, je crois que les gens, ils s'intéressent pas du tout à ce que je fais. Enfin, ça se voit, j'ai que 2000 followers sur Twitter. J'aurais peut-être changé de style ou mettre un bonnet, j'en sais. Tu sais, Judas, les gens s'en fichent de ton style. Si tu veux être aimé, ce qu'il faut leur donner, c'est surtout de l'amour. Ou ouais, enfin... Bravo, Joseph. Joyeux anniversaire, fiston. Tu vois, chérie, tous tes amis sont là. Hein. Pierre, Paul et les 9 autres dont je me rappelle jamais le nom. Et moi, c'est... Pierre ! Bien vu, vous êtes trop forts, les gars. Bon, allez, pour fêter ce petit moment d'amour et de bonheur, petite photo, les gars. Allez. Il est beau, notre fils, hein. Notre fils, on sait toujours pas qui est le père, hein. Oh, ça fait 33 ans que tu dis ça, ouais. Tu radotes, Joseph. Ça va, toi? Mais oui, très bien. Ça fait longtemps, c'est depuis l'Ancien Testament. Tu faisais quoi? Tu t'avais avec Judas, on t'a... Oui, Jésus. C'est normal, ça, sur les photos? Ah ouais, non, t'inquiète, ça me le fait à chaque fois. Oh, regardez, les rois mages! Cadeau, ce soir c'est la fête. Ouais, hey, Jésus, regarde ce que je t'ai tricoté. Ouais. Essaye-le comme ça, s'il te plaît, tu pourras le porter toute la soirée. Salut mon petit JC, moi je t'ai ramené quelques filles, parce que bon, traîner avec tes 12 potes c'est bien marrant, mais ça fait un peu... Si, ça fait un peu... Bon bah allez-y les filles. Allez. Bonsoir. Pas besoin de ça, je suis là. Ah, salut Marie-Madeleine, ça... Monsieur. Happy birthday. To you, Jesus. Aime pas trop cette fille, hein. Fais un peu de catin. C'est toi qui dis ça? T'es lourd, hein, Joseph. T'es lourd, vraiment. Ouais, bah c'est ça, casse-toi. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Et je t'ai prévu une petite surprise spéciale pour ton anniversaire. Tu bois de la main droite, tu prends 2 shots, et si tu renverses ton verre, tu prends 3 shots. Oh, tu nous fais chier avec tes commandements, Moïse. Laisse-nous vivre, bordel. C'est mes commandements. Tiens, regarde, y'en a que pour lui encore, là. Les petites zoos, c'est pour lui. Les fans, c'est pour lui. Moi, je trouve pas, moi. Moi, je trouve plutôt sympa, j'y sais, hein. Mais arrête, là, regarde, tu fais trop le malin. Hein. Jésus, bon anniversaire. Merci, mon frère, c'est trop cool que tu sois venu. Bah, par contre, j'ai peur qu'on soit un peu à court de tease. La tease, t'inquiète pas pour ça. Quand y'en a plus, il y en a encore. Super. Allez, venez. Non, mais tu crois que j'y crois, moi, l'histoire de Marie? Genre, ouais, je suis vierge. C'est Dieu qui a fait tout ça. Et là, paf, le petit Jésus. Prends-moi pour un con. Ouais, ouais, ouais. Mes amis, ceci est mon sang. Mais non, je déconne, c'est de la vinasse. Dis-moi, tu peux faire ça avec toi? C'est-à-dire? Putain, ça va être de la folie. Putain, Bouddha, mon pote, tu vas bien? Et passe une bonne soirée. Ho, ho, ho. Jésus, c'est pas le connard qui organise toujours une soirée en même temps que la tienne? Oh, putain, on va le niquer. Non, non, calmez-vous, je... calmez-vous, mes amis. Cet homme veut juste donner de l'amour. Oui, moi je veux l'amour, moi je veux la paix. Alors accueille-le comme un des nôtres. Et te fous avec lui. C'est mon préféré, hein. C'est mon préféré, ouais. Non, mais t'es d'accord? Ferme ta gueule. J'ai des cadeaux à lui faire.
réveille-toi! Jésus est mort! Nom de Dieu! Jésus! Oh putain! Jésus est ressuscité! Bibib! Police, tout le monde à terre! Restez à terre! Hey, attendez, je suis Jésus-Christ! Alléluia, mes frères! Alléluia, mes couilles! Monsieur Christ, écoutez, suite à la délation anonyme d'un certain monsieur Nanas, ici présent... Oh, putain. Vous êtes inculpé pour les chefs d'accusation suivants. Attention, parce que la liste est longue, hein. Possession et distribution de stupéfiants, pas qu'un peu, à ce que je vois, hein. 9 kilos d'herbe, 2 kilos de cocaïne, 500 pilules de MDMA, hein, cachées sous l'apparence de bonbons. C'est pas con, ça. Non, c'est vrai, c'est... Eh, c'est pas con, hein. Moi, c'est vrai, je vois des petits bonbons, je me dis, tiens, pourquoi pas. Proxénétisme. Je ne pense pas que les connaissances de votre ami, là, Gaspard Roimage, étaient là que pour vos beaux yeux. Bah non, 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 non. Plus étonnant, hébergement illégal d'un chinois sans papier, complètement défoncé au LSD, qui répondrait au nom de Bouddha. Ok, ok. On va peut-être un petit peu abuser, mais... Vous savez qui est mon père ? Écoutez, personne n'est au-dessus des lois. C'est pas parce qu'on s'appelle Jésus-Christ et que son père est soi-disant Dieu qu'on peut se permettre de se taper de la coke, des putes et compagnie, ok ? Mais je voulais juste qu'on s'aime un peu plus les uns les autres. Oh, vous inquiétez pas pour ça, monsieur Christ. En prison, vous allez bien vous aimer les uns dans les autres, là, comme ça, là. Commissaire, commissaire, Dieu vient de poster une vidéo sur Twitter. Alors, les humains, comme ça, vous avez mis mon fils en prison. Eh ben, je vous préviens, ça va partir en couille. Oh oui. Je me demande bien ce que votre père va encore nous faire subir, hein? Ah, papa. Hey, abonne-toi à notre chaîne. Comme on sort une vidéo tous les dimanches, c'est plus pratique. Bonjour. Bonjour, c'est pour quoi ? C'est pour un test de paternité.